revoici dans un autre épisode croustillant de la cuisine de Charlotte. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille tourte de poulet aux champignons et poireaux, fait maison, au style campagnard, surtout pas quand il est fait avec des poulets américains, plus sain, plus grand et plus savoureux. Alors allons-y. Deux grosses cuisses ou du blanc de poulet écorché et haché, du beurre, deux poireaux hachés, du thym frais, des champignons, du fromage à la crème et pommes de terre écrasées. Dans le beurre fondu, ajoutez le poulet, le poireau, le thym, le frire pendant 5 à 8 minutes avant de le transférer dans un bol. Dans un peu plus de beurre, faites revenir les champignons pendant 2 minutes et ôtez du feu. Ajoutez le poivre et le poulet, bien assaisonné avec du sel et poivre. Couvrez et laissez refroidir. Ajoutez le fromage et bien mélangez. Ensuite, versez dans un plat à tourte. Recouvrez avec les pommes de terre écrasées. Ensuite, placez dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à dorure. Vous pouvez être fier de vous et vous taper sur le dos. Vous venez d'accomplir un nouvel exploit avec les poulets américains, plus grands, plus sains et plus savoureux. Voici notre liste d'ingrédients pour cette recette. Deux grosses cuisses ou du blanc de poulet écorché et haché, du beurre, deux poireaux hachés, du thym frais, des champignons, du fromage à la crème et pommes de terre écrasées. Vous pouvez aussi télécharger cette recette ainsi que nos astuces sur notre site. Ne ratez pas le prochain épisode de la cuisine de Charlotte pour plus de plats copieux à nourrir toute la famille. Mesdames et messieurs, je vous présente, venant des États-Unis, plus grand, plus sain, plus savoureux.